La volonté. Le concept de volonté est défini comme le processus consistant à renoncer à de petites récompenses à court terme en faveur de récompenses supérieures à long terme. Selon ce point de vue, la volonté implique un conflit cognitif entre deux désirs, typiquement avec une tentation passagère dans le moment présent qui est en conflit avec un objectif de longue date, un objectif à long terme. Ce processus psychologique ou ces processus psychologiques qui se déroulent avant bien d'être confronté à une tentation. On appelle ça aussi le self-control, la motivation ou l'autodiscipline. Avec ces deux choix qui s'offrent à nous, soit glander toute la journée sur YouTube en faisant rien ou sur TikTok, ou travailler sur vos rêves, travailler sur nos rêves. Cette vidéo va répondre à une question. Est-ce que la motivation ou la volonté est surcotée ? Les disciplines de la psychologie et de l'économie et des neurosciences se sont vraiment tournées vers des études scientifiques, vers l'étude scientifique de la volonté, parce qu'elles semblaient prédire un large éventail de résultats importants dans la société et pour la société. La volonté ou l'autodiscipline permet de prédire toutes sortes de bons résultats, y compris la réussite scolaire, la santé, la richesse et même la délinquance. Il est bien connu que maintenant dans le monde de la recherche, que les enfants de 4 ans qui ont une volonté supérieure à la moyenne, ils ont été évalués en fonction de leur durée, pendant laquelle ils pouvaient résister à l'envie de manger un marshmallow, ou des bonbons ou quelconque friandise. Tous ces enfants sont devenus des adolescents plus performants sur le plan scolaire, social, santé et de la sécurité. Mais il y a un problème avec ces recherches. Le problème, c'est que les enfants qui deviennent des adultes n'y parviendront peut-être pas uniquement par la volonté ou l'autodiscipline. En fait, l'importance de la volonté, elle n'est pas établie. En fait, pas tant que ça. D'autres processus ou d'autres clés sur la réussite de ces enfants semblent entrer en jeu. Les recherches menées au cours de la dernière décennie montrent clairement que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs n'est pas de lutter contre les tentations, mais de s'efforcer d'atteindre ces objectifs. C'est normal et c'est logique. En d'autres mots, on peut dire que ce n'est pas de lutter contre les tentations, mais de les éviter avant qu'elles n'arrivent. La recherche suggère également que la volonté est fragile et qu'elle fonctionne comme un muscle. Les premiers indices d'un surcotage ou d'une surestimation de la volonté sont apparus dans le cadre d'une recherche portant sur des personnes qui semblaient être les plus aptes à atteindre leur objectif. Ces personnes qui ont une maîtrise de soi ou un self-control élevé. Ce qui a surpris beaucoup de monde à l'époque était de constater que ces personnes n'utilisaient que très rarement la volonté, que très rarement leur mental, dans leur vie quotidienne, nettement beaucoup moins que les autres. Et pourtant, elles réussissaient. Au contraire, il semblait que leur capacité d'autodiscipline ou de contrôle de soi était liée à la routine. À la routine des comportements orientés vers un objectif qui leur tenait vraiment à cœur. Ils avaient cultivé de bonnes habitudes. Ces personnes avaient construit des habitudes fortes pour éviter les tentations, slash la procrastination. La volonté, est-ce que c'est aussi une question de perception ? Une autre façon potentielle pour les personnes de rencontrer moins d'obstacles est de percevoir différemment les obstacles potentiels de manière différente. Par exemple, alors qu'une personne peut percevoir les températures froides ou le temps mauvais comme un obstacle à son objectif d'activité physique, une autre personne peut simplement enfiler des vêtements chauds et aller courir, sans se préoccuper davantage du temps qu'il fait. Ces différences de perception subjective peuvent se produire dans un certain nombre de raisons. Certaines personnes peuvent éprouver plus ou moins de désir pour un objet. Pour certaines personnes, l'attention portée à la tentation peut également activer l'objectif de conduire un comportement orienté vers son objectif, au lieu de céder à cette tentation. Par exemple, une personne qui a toujours résisté à la pizza offerte au travail tous les vendredis pourrait finalement percevoir cet événement comme un appel de son objectif à manger sainement. Cette personne ne la voit pas comme un obstacle. Les motivations et préférences internes des personnes peuvent vraiment avoir un impact sur la manière dont ils perçoivent les choses, visuellement les objets et les informations liées à leur objectif. Ainsi, certaines personnes peuvent ne pas percevoir un objet ou une situation comme un danger, ou plutôt comme une opportunité. D'après les recherches, bien que la motivation soit souvent décrite comme la force mentale ou la quantité de motivation d'une personne, ils ont concentré leur étude sur la qualité de la motivation. En nous inspirant de la détermination, on se concentre ici sur les différentes raisons pour lesquelles une personne peut poursuivre un rêve ou un objectif avec deux types de motivation.
parce que l'acte de poursuivre un objectif reflète ses intérêts et ses valeurs. Le premier type de motivation définit un acte de poursuivre un objectif qui reflète ses valeurs et ses intérêts. Quelque chose qu'on veut vraiment, quelque chose qui nous représente. Le deuxième type de motivation sont les pressions externes et internes. Quelque chose que l'on pense devoir faire par rapport au regard des autres. Donc nous avons le premier type de motivation, je veux faire. Et le deuxième type de motivation, je dois faire. Bien qu'elle se situe théoriquement aux extrémités opposées, les recherches récentes suggèrent que la motivation par envie, c'est-à-dire je veux, et la motivation par obligation, c'est-à-dire je dois, sont des dimensions distinctes, qui ont des effets différents sur la réalisation de vos rêves et objectifs. En outre, la motivation vouloir et devoir peuvent s'appliquer à des comportements, des objectifs, des domaines spécifiques et d'habitudes. On va voir ces deux types de motivation plus en détail. La motivation je veux faire est constamment associée à une meilleure réalisation de ses objectifs. Oui, c'est la meilleure motivation que vous pouvez avoir. Des recherches ont montré que la motivation de vouloir est associée à l'expérience et à l'attente d'obstacles moins nombreux et plus faibles. Même s'il n'est pas clair si cela se produit parce que les personnes ayant une motivation de vouloir font quelque chose pour rencontrer moins d'obstacles, parce qu'ils sont moins susceptibles de percevoir les obstacles existants comme une problématique. Vous vous souvenez plutôt, je parlais du pouvoir de la perception. Eh bien c'est ça. Le deuxième type de motivation est la motivation « je dois faire ». Ce type de motivation est plus ambigu. Bien que, en théorie, des recherches suggèrent qu'elle nuit à l'atteinte des objectifs. Certaines recherches montrent qu'elle n'y est pas liée. La motivation « je dois » n'est pas liée à l'attirance automatique des gens pour les tentations, pour la procrastination, mais elle est associée aussi à la perception d'avoir plus d'obstacles, à une perception plus négative. La motivation « je dois » ou « devoir faire » est également liée à une plus grande préférence pour les tentations, un goût pour les aliments malsains par exemple. Elle a été testée comme étant liée à des expériences accrues de problèmes de contrôle de soi et de procrastination. On a parlé des deux types de motivation concernant la volonté. Du coup, le rôle de la motivation ou des tentations dans l'environnement est très important. Et pour enfin répondre à cette vidéo, est-ce que la motivation et la volonté sont surcotées? Oui et non, mais pas que. Comme on l'a vu, c'est surtout une question de perception, avec deux types de motivation. Je veux ou je dois. Et la meilleure motivation est une motivation qui vous donne envie, qui montre vos valeurs et votre personnalité. J'ai créé un quiz pour savoir quel est votre type de motivation par rapport à vos objectifs pour changer vos priorités et votre point de vue. Il y a un lien dans la description. Les études dont j'ai parlé aussi sont en description aussi. Du coup, salut, c'est Ricardo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. J'ai créé cette chaîne dans l'unique but de créer une communauté anti-procrastination. Si vous détestez TikTok aussi, vous êtes le bienvenu pour se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, partagez, commentez, et à la prochaine fois.